fait 2 ans que j'utilise l'Apple Watch Ultra, une montre connectée que j'ai emmenée partout avec moi, à la montagne, en mer, en trek et j'en passe. C'est sur le papier la montre de sport et d'aventure ultime chez Apple avec laquelle vous allez pouvoir tout faire. C'est l'Apple Watch avec le plus de fonctionnalités dans le domaine du sport et de la santé, mais pas que. Une montre dédiée à ceux qui en veulent plus. Pour moi, on va la prendre pour 2 raisons. La première, et on vient d'en parler, c'est pour ses fonctions ultimes. C'est une montre qu'on n'a pas peur d'emmener partout, en haute montagne, en plongée, en trek, elle est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres, elle a un GPS double fréquence pour plus de précision. La seconde, c'est qu'elle est aussi devenue un accessoire de mode à part entière, un nouveau visage dans le game des montres connectées que d'autres acteurs n'hésitent pas à reprendre si ce n'est copier. Salement. Une montre allant chercher une nouvelle audience, souhaitant un produit plus baroudeur avec un plus grand écran pour faire plus de choses dessus, retrouver le meilleur dans une montre avec ce design en titane. Vous l'avez vu aussi bien que moi, cela fait des années qu'on a atteint un plafond de verre avec les montres connectées qui se ressemblent d'une génération à une autre, apportant de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux coloris. Mais le produit est déjà mature et n'a pas nécessairement besoin de changer. Apporter un nouveau modèle de montre connectée proposant plus mais surtout différent permet de redistribuer les cartes et aller chercher un nouveau public. Alors, ce n'est peut-être pas la plus jolie, la plus légère, pour ça la série 10 le fait très bien et apporte du titane cette année également. Mais c'est vrai que je trouve un attachement particulier à ce design. En fait, je me retrouve plus tellement dans les Apple Watch dites classiques. Elles sont jolies, élégantes, mais si je veux une montre élégante avec un beau design, je vais porter une vraie montre. Quand je porte mon Apple Watch, c'est parce que j'ai besoin d'avoir mes notifications sur mon poignet facilement accessible, que je fais du sport ou bien que je suis à un endroit spécifique sans mon smartphone. Et puis je trouve que l'Apple Watch n'est pas là pour vendre son design mais ses fonctionnalités. Je vous prends pour exemple les personnes portant des montres Garmin. J'en ai plein dans mon entourage. En leur posant la question, ils m'ont dit ne pas la porter parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle est résistante et précise. La précision détermine notre choix, et c'est par là qu'Apple a voulu se tourner avec l'Apple Watch Ultra. Le choix du titane n'est pas anodin non plus, c'est un alliage très résistant et plus léger, un choix idéal sur un boîtier de 49 mm avec un écran plus grand que sur une série 10, permettant d'être plus facilement utilisé pour envoyer des messages, voir toutes ces données de sport, interagir plus facilement avec des boutons, une couronne identifiable et même marquée sous le doigt. Elle est dotée d'un écran Retina OLED en verre saphir, allant jusqu'à 3000 nits, elle est IP6X et donc résistante à la poussière, jusqu'à 100 mètres de profondeur, on en parlait. C'est une montre très très bien finie, extrêmement résistante. J'ai passé près de 2 ans avec mon Apple Watch Ultra version 1 et je n'ai pas eu un seul pet, pas une seule rayure. Et dans cette finition en titane noir, elle est incroyable. Je ressentais pas tellement le besoin de passer à l'Apple Watch Ultra 2 tellement les changements sont minces, mais cette couleur m'a fait virer de bord. Ça fait donc plusieurs jours que je l'ai au poignet et franchement, les changements sont minimes. Sur le boîtier, on garde toujours la couronne et l'accès au réglage rapide, le bouton action de l'autre côté à configurer, il est ici réglé pour le lancement rapide d'un entraînement, la plus grosse nouveauté se faisant au niveau des gestes de toucher. En tapant 2 fois avec ses doigts, on va pouvoir naviguer dans l'interface à travers ses notifications. Ça évite de devoir avoir besoin des 2 mains pour interagir avec notre montre, faire des actions, répondre à un appel. Autant c'est pratique à certains moments, autant ça reste dispo dans peu d'applications, pour peu d'usages et donc peu utilisable. D'autant qu'il faut au préalable activer l'écran de la montre pour pouvoir l'utiliser. Et là où je pourrais en avoir le plus besoin, c'est lors de mes séances de sport ou bien séances de tennis, pour rapidement pouvoir changer de page ou accéder à toutes mes performances, mais non, ça fonctionne pas. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils sont vraiment pas allés assez loin avec cette fonctionnalité pour créer de nouveaux usages. Sinon dessus, on a WatchOS 11 avec quelques nouveautés au niveau de l'application fitness, au niveau des entraînements afin d'aller plus loin dans la personnalisation. L'application Vitals fait son apparition pour évaluer vos données de sommeil, les partager. De mon côté, je l'ai pas tant utilisé puisque j'ai une bague connectée pour cet usage. J'aime pas trop porter des montres lorsque je suis en train de dormir, mais ça reste un super ajout. En plus de la détection de l'apnée du sommeil qui fait son apparition. L'application de traduction est désormais disponible, on peut même télécharger des langues, de nouveaux cadrans sont dispo et davantage personnalisables comme avec ses photos. On a un défilement intelligent de ses widgets qui s'affiche automatiquement en fonction de l'heure, du lieu et d'autres critères. Et sur cette version Ultra 2, on peut désormais écouter de la musique, un podcast depuis les haut-parleurs de sa montre. Je sais pas trop dans quelle situation on pourrait en avoir besoin, mais c'est là, et la qualité est ok. Avec tout ça, on sent la volonté d'Apple d'en faire un appareil indépendant. Et plus les mises à jour passent, plus on tend vers cette indépendance. Tellement que j'ai une eSIM dessus et lorsque je pars faire du sport, mon iPhone reste à la maison. Les seuls produits que j'ai avec moi, c'est ma montre et mes écouteurs. Parce que j'ai confiance en ses données, confiance en son autonomie, sa précision en termes de GPS. Je peux contacter n'importe qui rapidement et facilement avec, je suis pas perdu. Je peux payer avec ma montre, je peux gérer mon agenda, je peux lancer une séance de sport, je peux passer des appels, envoyer des messages. C'est vraiment devenu
un mini iPhone pour rester en contact avec le monde extérieur, peu importe l'endroit où vous êtes sur la carte. Puisqu'on parlait de son autonomie, elle m'a vraiment étonné, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap de la génération 1 à cette génération 2 pour le coup. Je peux facilement l'utiliser pendant plus de 2 jours en mode normal, en lançant des séances, en passant des appels dessus, en envoyant des messages, bref, en l'utilisant de manière normale. Et tout ça sans même parler du mode économie d'énergie que j'ai pas tellement eu besoin d'utiliser puisque je peux la recharger à la maison. Vous l'aurez compris, je trouve que cet Apple Watch Ultra 2 est vraiment destiné à un public qui en attend plus de sa montre connectée tout en pouvant mettre les moyens dedans. Ceux qui apprécient l'idée d'utiliser un plus grand écran sur son poignet, une Apple Watch avec une bien meilleure autonomie par rapport à la série 10, c'est pas négligeable pour certains, ou encore pour le bouton action. On en a pas tant parlé, mais le fait d'avoir ce bouton de raccourci rend la montre connectée tellement plus agréable à utiliser. Il m'est utile pour lancer rapidement un exercice, ce qui m'évite de prendre la couronne, d'appuyer, de naviguer dans le menu, trouver l'application, lancer l'application et ensuite lancer mon exercice. Là, en un bouton, c'est lancé et prêt à être démarré. De la même manière qu'en restant appuyé sur ce bouton, je peux changer rapidement son action, et bien j'aurais aimé pouvoir, en changeant de cadran par exemple, changer l'action du bouton. Quand j'arrive sur mon cadran dédié au tennis par exemple, lorsque j'appuie sur le bouton action, je lance une application dédiée à ça. Quand je fais ma journée normale, j'ai mon cadran normal, et bien quand j'appuie sur mon bouton, je vais sur le calendrier. Ou bien si je lance l'application caméra sur mon iPhone, il le détecte sur mon Apple Watch, et quand j'appuie sur le bouton action, il me lance automatiquement la prévisualisation. Quand on en arrivera là, ce sera vraiment top. Maintenant, l'Apple Watch Ultra n'est pas diamétralement différente de la série 10, et même quand on regarde pas à pas ses fonctionnalités par rapport à leur prix, elle sera plus précise sur certaines tâches, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous? J'espère en tout cas que ce retour d'expérience vous a plu. Si jamais vous avez cette montre au poignet, n'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire pour étoffer cette vidéo et donner votre avis. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à checker mon lien affilié dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.